vessel AGS-55. Go ahead and state your problem. Drone. I'm sending coordinates. Hurry. Copy on the fallen drone. Receiving coordinates now. Preliminary survey indicates D-2875 impacted something while scanning the planet Kalanthak for terraforming. Propulsion systems seem intact. I'm gonna try and get it back up and running. Huh. Looks like the orbital scanner's been separated from the drone. Most likely due to impact. There's debris leading to a cave nearby, possibly the work of scavengers. Moving to investigate. Just in case. Of course, it's my last day and I have to go into a dark, scary cave. Let's just do this. This doesn't make any sense. Oh,
burnt. What the? Come on, come on. Are down. Okay, you need to send a message. Send for help. It's okay. Stay calm. Just think. Think. The scanner. Send an outgoing message. If anyone can hear this, my ship crashed into a drone. I'm in a cave. There's a hostile creature in here with me. I don't know where it is. I'm sending coordinates. Please, hurry. Receiving coordinates now.
Hello. Happy belated birthday. Yes. Thank you.
Thank you.
Vous avez pas trop chaud sous votre drap? Bah non. Ils sont pas là, on va choper la crève. Et sinon, ça fait longtemps que vous êtes décédé? Quoi? Fantôme, fantôme. Bah, peu de choses près, t'es bien mort. Y a pas de doute. Oulala, c'est mauvais signe, ça, non? Bof, bon, t'inquiète pas, c'est pas grand-chose. Tu te souviens vraiment plus de rien? Bah non. Bon, t'inquiète donc pas. On va régler ça demain matin. Une bonne nuit de sommeil et ça remet les idées en place. Concernant votre incapacité à quitter ce monde, il n'y a pas de réponse. D'ordinaire, je ne sais pas que ça fait juste que c'est. L'autre fois, je suis en forêt. Pour une bricole. Et là, je vois une tourterelle des bois. J'en parle à mon pote ornithologue, François. Il me dit : arrête tes conneries, il n'y en a plus par ici en cette saison. Bah, c'en était bien une. Mais ça, je l'ai appris que bien plus tard. La science, faut pas toujours compter dessus. Pierre Durand? Non. Jacqueline Clément? Non. Inconnue au bataillon. Catherine Desnos? Patrick Berlioz? Jacques Durand? Eh non, bah non. Accident sur la nationale. Antoine et Elisabeth Dupré. Nope. Après l'entrée des violonistes, c'était au tour du bigorneau de sortir de sa coquille. Fou B12 en C13. Ça claque, non? On y verra plus clair comme ça. Mm-mm. On a visité plein d'autres cimetières. On a eu le droit à 1000 explications différentes. On m'a même conseillé de prendre la foudre à nouveau. Et vous l'avez fait? Oui, mais ça n'a pas marché. Je comprends pas. Pourquoi je peux pas mourir comme tout le monde? Écoutez, d'habitude, je m'efforce plutôt d'empêcher mes patients d'atteindre cet objectif. Bon, je préfère pas me prononcer sur un cas pareil. 7h30? Nickel. Très bien. À mardi, docteur. Super, François. Mais cherche le fantôme. Tu l'as vu ou pas? Ça fait 10 ans que je fais ce métier. C'est la première fois que je tombe sur un cas comme celui-là. On se rappelle, François. Même mes collègues, ils en revenaient pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai cherché partout. Ça a l'air si simple. Qu'est-ce que j'ai fait pour rater ça? Tu prends un peu ton temps. C'est pas plus mal aussi de prendre son temps. Prendre son temps, d'accord, mais... Mais je ferai quoi quand toi tu seras mort? Je suis désolée d'être partie sans prévenir. T'en fais pas. Je t'ai même pas remercié pour tout ce que tu fais pour moi, Arthur. Y a pas de quoi. On se marre bien quand même. On rentre? Allez, t'as raison. On va se choper la crève.
voiture. Les cieux voilés.